Non, vous m'avez bien eu dans la porte. Toi, enfin, arrête. C'est moi, Jason, le vrai Jason. C'est faux, je ne vous crois pas une seconde, professeur. Je suis désolée. Je suis sous le choc. Je croyais que Ramon se faisait encore passer pour toi. Ah non, le professeur est tombé dans le vide. Il faut le sauver. Il a beau être notre pire ennemi, nous devons lui porter secours. Aucune trace de Ramon. Pourtant, il devrait être dans le coin. C'est incroyable. Après une chute pareille, de la Porta ne devrait pas être en état de marcher. Où peut-il être? Kong a vu quelque chose. Oh, Harpy. Elle a emporté Ramon avec elle. Si Harpy s'en mêle, c'est que Kairos prépare quelque chose. La dernière pierre sacrée est forcément tombée par ici. Par là, Jason. Ah, Jason, je crois que tu connais ma nouvelle amie. Je vous en prie, écoutez-moi. Harpy et son maître Kairos sont des monstres. Professeur, vous allez le regretter. Oh, c'est tout le contraire, mon petit Jason. Kairos a besoin de moi. Il lui faut une âme sombre comme la mienne pour pouvoir se libérer et l'aider à reconquérir la Terre. Comment pouvez-vous être aussi naïf, Ramon? Kairos est en train de vous utiliser. Tout ce qu'il veut, c'est détruire la Terre. Tu sais, petite chamane, j'ai du mal à te croire. Maître, puissant Kairos, débarrasse-nous de tes ennemis. Reviennent! Bientôt, toutes les pierres sacrées seront en ma possession. Et la cérémonie pourra enfin avoir lieu! Je serai libre! Et le monde éprouvera ma colère! Viens, petit bonhomme. Tu n'as pas fini d'accomplir ta tâche! Lua! Attention! C'est parfois utile d'avoir pour petit frère un singe de 15 mètres. Si De La Porta trouve la pierre le premier, Harpy pourra libérer Kairos. Oui, ce serait la fin du monde tel que nous le connaissons. Ah, on est fichu cette fois-ci. Il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? Toutes les pierres sont actuellement sur cette île. Si nous les avions, je pourrais recréer la cérémonie de mes ancêtres et emprisonner Kairos dans une autre dimension. Non mais t'as perdu la boule, princesse de la jungle. Tes ancêtres étaient des super pointures en chamanerie. Toi, t'es qu'une apprentie. Tan a raison, Lua. Tu n'as pas encore fini ton initiation. Tu pourrais en mourir. Il n'y a pas d'autre solution. Je dois essayer. En tant que protecteur, Kong a toujours rempli sa mission. Maintenant, c'est mon tour. Bien. Si Kong est d'accord, je suis d'accord. Mon plan est simple. Nous récupérons les pierres et vous, vous préparez la cérémonie. Ils n'ont pas encore trouvé la pierre. C'est plutôt bizarre. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas tombée jusqu'en bas. La voilà! Kong, est-ce que tu peux atteindre cet arbre? Jolie pierre, viens par ici.
Oh. Des nouvelles de Jason. Hein? Onimus? Mais d'où il sort, celui-là? Kairos possède à présent toutes les pierres, sauf une. L'île doit certainement commencer à lui obéir. C'est pourquoi Onimus est capable de surgir n'importe où. Eh ben dis donc, voilà qui est rassurant. On a du travail, petit frère. Métaosmose activée! D'aller chercher les autres pierres. Laissons Onimus s'occuper d'eux. Viens, petit bonhomme. Regardez comment Onimus a récupéré. Il n'a même pas une égratignure. Il est devenu plus fort depuis que Kairos est sur le point de se libérer. Kong n'a aucune chance contre lui. Jason. C'est l'emplacement des sables mouvants. Maintenant, Onimus a beau être le plus costaud, il ne peut plus faire grand-chose. C'est le triomphe de l'intelligence. Par là, j'ai vu quelque chose. La dernière pierre. Oh, elle est à moi. Enfin, je veux dire à nous. Vous devez... Mais vous serez bientôt libre. Kong! Oh non! Non! Allez, gars! Un effort! Oh, tu vas pas nous faire ça, quand même! Jason! Jason! Voilà! C'est ici. D'après le manuscrit, l'endroit d'où doit être lancé le sortilège qui devrait libérer Kairos est un rocher semblable à la tête d'un dragon. Mais je le connais! J'y suis déjà allé faire de la plongée! Dépêchons-nous! Il faut les sauver tous les deux! Acme, Roacme, ta Kairos! Oh oui, oui! Le pouvoir absolu est à portée de ma main! Merde,
Je me sens faible, si faible d'un seul coup. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui... Pauvre imbécile. La force vitale d'un humain maléfique est nécessaire à la libération de mon maître. Autrement, pourquoi t'aurait-il permis de vivre aussi longtemps, hein? Non. Après toutes ces années, je vais pouvoir me venger. Tremblez, misérable mortel! Votre monde est sur le point de disparaître! Faites votre possible pour récupérer les pierres. De mon côté, je rejoins Jason et Kong. Dan, le temps presse. J'ai dû perdre connaissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Petit frère, tu aurais dû me réveiller plus tôt. J'attends ce moment. Tu as fini de me gêner. Prépare-toi, con. Regardez-moi ça. Tes amis font des efforts pathétiques pour te sauver. Comme c'est attendrissant. Ma tête. Allez-vous-en. Non. Maintenant, Dan. Kairos a déjà réussi à se libérer. Vous arrivez trop tard, pauvres idiots. Kairos s'est emparé de sa force vitale. Je ne peux rien faire pour lui. Il faut d'abord vaincre Kairos. D'après le manuscrit, les pierres doivent être placées de manière à former le dessin. Mais ça marche pas! Il ne se passe rien! Calme-toi, Tan. Je dois réciter l'incantation. Oh. Nam Natmit Kairos. Nam Natmit Kairos. Oh non! La revoilà! Ne t'arrête surtout pas, Loi! Je m'occupe de cet épouvantail! Natmit Kairos, Mam Natmit Kairos, Mam Natmit Kairos.
Elle en a un coup dans l'aile. Je ne vais pas te tuer, con. Toutes ces années, je les ai passées enfermées au fond de ce trou à cause de toi. Maintenant, tu vas souffrir ce que j'ai souffert, protecteur. Tu vas avoir du temps pour réfléchir. Je prendrai peut-être de tes nouvelles dans 5000 ans. Va bientôt apprendre à connaître ma colère! Quoi? Quelle sorcellerie est-ce là? Non! Kong! Mais je t'ai vaincu! Tu ne peux pas être plus fort que moi! Pierre sacrée, c'est impossible! Non, tout sauf cette prison, me dit! Non! Non! Ma liberté! Je crois que son esprit n'a pas résisté à la cérémonie. Mais il est en état de choc. Vite, vous deux, vous avez bientôt fini. Oh, tu ne connaîtrais pas une incantation pour faire revenir un ponton, Noah, hein, par hasard? Les enfants, je viens d'apprendre que le professeur De La Porta a été admis dans une clinique spécialisée. Mais les médecins ne savent pas s'il récupérera un jour cette faculté. Ah, on va enfin pouvoir être tranquille! Vous avez sauvé l'île et le reste du monde. Vous avez bien droit à un peu de repos. On n'aurait jamais pu y arriver sans toi, Jason. Hein? Oh, oh. N'oublions pas la fabuleuse chamane qui a prononcé l'incantation de ses ancêtres en mettant sa vie en péril. Et qu'est-ce que vous faites du dévouement du chevalier Tan qui s'est jeté sur une harpie en furie, hein? C'est vrai. Toi aussi, Tan, tu as été très courageux. Et Kong a pu prouver qu'il était le vrai protecteur de l'île. Hé, hey, t'entends ça, petit frère? T'es un vrai héros! Il a toujours eu horreur des compliments, n'est-ce pas, Kong? En parlant de compliments, docteur, si vous nous faisiez une de vos délicieuses pizzas à l'ananas. Lua? Oui, Jason? Je voudrais savoir, quand De La Porta se faisait passer pour moi, c'est vrai que tu le trouvais plus gentil? Oui. Oh bah, je vois. C'est vrai, tu n'es pas gentil. Je te trouve plutôt insupportable, mais c'est pour ça que je t'aime bien. Hein? Oh. Oh, Kong! Kong! Attends, pas maintenant! Ah, d'accord, petit frère, tu vas voir! Hé, Lua, j'ai découvert une nouvelle île! Aïe, 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 aïe!